Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 10e épisode de Sheltered avec la famille YouTuber. Allez, on continue. Je vous rappelle qu'on avait envoyé donc des petits gars. Donc on avait utilisé la moitié de nos bordels. Il va faire bouffer. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est un petit peu soucieux. Lui, il va boire un coup. Accepter la transmission. De l'essence, parfait. C'est quoi ça? Un pot en verre. Un pot en verre ébréché, fendu, peut-être recyclé. On s'en fout. On va prendre ça pour le moment. Ça. L'eau. Le clou et le fusible et la planche de bois. En fait, on va tout prendre. Ah, vous voyez la place qu'on a? Eh, c'est pas mal, hein? Avec le gros sac. Bref. On confirme. Non. On va le prendre. Ça peut toujours servir au cas où pour faire des échanges. Si on peut le bazarder, ça évite de donner un truc qu'on a besoin, éventuellement. Au pire, allez, on échangera par la suite. On déposera. Hop, allez. C'est good. Toi qui fous que dalle, Skywars, tu vas aller à l'émetteur, tu vas aller faire pour des marchands. Oui, bonjour, c'est pour une pizza. Et j'ai besoin des choses, vous pouvez m'aider, je crois qu'il y a un type assez dangereux qui est déjà là-bas, alors vous devriez peut-être vous. Ah, si vous voyez ce que je veux dire, hein? Je peux me dérouler. Faites simplement en sorte que la récompense. Hein? Ne vous inquiétez pas, elle en voudra l'appel. J'ai rien compris. C'est pas grave. Au pire, allez, on mettra du combustible là-dedans. 1,8, ça va. Moi, j'avais mis deux barils, hein, il me semble. Oh, ta gueule, l'orignal, là. 6. On va attendre. On va attendre. Parce que là, apparemment, on en chope plus de la bouffe. Toi. Fabriquer un objet. Voilà. J'aurais plus de sable. C'est pas trop grave, pardon. Est-ce que je peux. Il manque du plastique. Trois plastiques qui me manquent. Petite question. Est-ce que. Donc je suis au niveau 3. Des jumelles permettent de découvrir des endroits du monde. Je m'en fous. Détecteur très pratique permettant de récupérer des objets. Équipe de jumelles pour en utiliser. Peinture, on s'en fout. Bloc de pierre, des marbres sculptés. L'art des ouvertures des jumelles. Congélateur moyen. Et pourquoi je peux pas le faire? Ça me dit que je peux pas le faire. Pourquoi? J'ai pas assez de métal. D'accord. Ok. C'est quoi ça? Bonne cuisinière. On pourra peut-être éventuellement. Ça, c'est quoi? Piège à pointe. Ce piège à pointe peut neutraliser les intrus qui s'introduisent dans votre armée nécessite un fil. Piège pour être armé. À 60% de chance de neutraliser un intrus. D'accord. Donc, l'idée, ça sera éventuellement par la suite de changer les chiottes. Il manque du métal à gogo. Peut-être de refaire. J'ai bien envie de le faire. On va le refaire de suite d'ailleurs. On va refaire un lit. Ils sont pas mignons de me rajouter un. Oh, transmission. J'avais pas entendu. Oh, bon savon, trouver l'école, ça va rester. On y va, oui. Toi, tu peux peut-être aller le faire en attendant, non?
Non? Shirley, allô? Allô? Allô, Amil? Tant pis. Par contre, tu sais quoi, Shirley, tu vas venir fabriquer un objet, tu vas fabriquer ça. Ah oui, bah oui. Ah putain, cette plastique qui fait chier. Examiner les éléments. Ah oui, lentille. Plastique. C'est lequel que j'ai? Je peux pas voir. Non, je peux pas voir, putain. Les gommes. Ça, ça. Ça, j'ai vu qu'on en avait besoin. Ça, on en a déjà un peu. Ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Du métal, bien sûr que oui, du métal. Du bois, on peut stacker. De la laine, on en a en masse. Du nylon. Ah, on va. Oui. Le son, on va le. Ouais, enfin, ça, on va laisser. Au pire, aller. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Café. Et il va vraiment falloir que. Putain, mais ils s'enchaînent les trucs quoi. Un 6. Ah, ils rentrent. Ça y est, ils ont fini. On va les laisser se préparer un petit peu. Et puis on va. On va tout simplement les. Envoyer par la suite. Là, on va avoir un marchand, je pense. Voilà, perception. Bah, rien du tout. Oh. Ok. J'espère que je peux tout prendre. Confirme. Oui, bah l'eau. Il n'y a que l'eau. Monsieur d'avoir déjà fini de transférer. Oui. Oui. Shirley. Attends. Améliorer. Non! Merde! Il faut plus de lentilles que ça. Oui. Oh, détends-toi, Maurice. Bonjour, tu as besoin de quelque chose? J'ai trouvé quelques trucs dont je n'ai aucune utilité. Oui, allez, vas-y. Qu'est-ce que tu peux me proposer qui peut être intéressant pour moi? Les moteurs, peut-être? Putain. Je pourrais peut-être prendre le sable pour éventuellement. L'eau, j'ai pas trop envie de l'échanger. Ça, je suis sûr qu'on va en avoir. Ouais, fabrication explosif après. Les moteurs, c'est combien? 3. Ça, c'est combien? 2. Vas-y, avec quoi je vais lui échanger ça, quoi? Du nylon, peut-être? Échanger. Ah. Ah. Fais chier. Fais chier. Oh non, ça y... Ah bah oui, c'est vrai que je les ai envoyés et tous les deux ils étaient malades. Oh putain, et le choc qui.
Charlie. Et toi? Toi. Je sais que c'est pas bienvenu, mais. Eh ouais, bah ouais, mais je suis obligé d'avoir ça, donc c'est relou. Il est crevé en plus. Toi, Anthony, fais voir comment ça remonte alors. Est-ce que ça remonte plus vite? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Oh putain, il dégueule partout. Merde. Jour 38. Ah, bande d'enfoiré. Non, arrêtez de dégueuler partout. Prépare expédition. On va le faire maintenant. Toi, non. Non. Toi. Ah, par contre, c'est un gamin, donc il faut que je fasse gaffe parce qu'en force, il a que 3. Ensuite. Non. Non plus. Ça me fait un peu chier d'envoyer les deux gamins, quoi. Bah lui il est juste sale, mais il a pas de force en fait. Et Shirley, elle a quoi en force? Elle a 5. Donc je viens d'y aller il y a 13 jours. En fait, après le problème c'est que... La maladie inconnue. Ah non. Ah non. Non. Petite ferme, il y a 28 jours. École, il y a un jour. Alors, on peut faire ça et ça. Ça me prend 19. Il y a 11 jours si je fais ça. Ah non. Non, on va être un petit peu plus sécuritaire. On va juste faire ces deux lieux-là. Parce que là, c'est un peu chaud, quoi. Grony. Il n'y a pas moyen de... Putain. Attends, ça, il faut quoi? Force requise 12. Ah ouais, quand même. Ok. Ok. Force requise 11, 8, 10. Ça c'est quand même 12. 12. Ouais, ça fait chier. En fait, faut vraiment se rappeler de des trucs des autres, quoi, parce que force requise 12. Ah, mais tant pis, hein, je vais lui équiper ça quand même. Tu prends ça, t'équipes de ça. Le sac, c'est bon, tout est bon. Bonjour, je suis juste de passage dans la région, je me demande si tu avais quelque chose à échanger. Ça dépend ce que t'as. Ça, j'en veux bien. 6. Ça peut pas être perdu. Ah oui, 26 déjà. Pouh. 26. 26, 26, 26.
22, 26. C'est sûrement une grosse connerie, mais tant pis. Il va, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore aller dégueuler ailleurs, lui. Il manque encore du plastique. Ben oui, forcément, puisque j'utilise du plastique pour. Eh oui. Accepter la transmission. Ah là-bas, cette petite maison, vu, il y a des gens là-bas qui ont l'air de vouloir parler. Bon. Et salut, j'ai pas vu beaucoup d'autres personnes récemment. Salut, ce n'est pas surprenant, si. Lui, on fait la force par les temps qui courent. Je ne te connais pas, mais si tu cherches un partenaire supplémentaire, je peux te proposer mes services. Non. Oh, je vois, ce sont les gens comme toi qui se font descendre dans ce monde. Ah, ça va en plus longtemps, en étant tous de toute façon. Bah oui, mais je ne peux pas encore améliorer. C'est pas de ma faute, bordel. Ça, oui. On va tout prendre. Ah oui. Non, de récupérer des objets pour elle. Elle nous a dit de faire attention à un individu qui traîne dans les parages. Waouh, bon. Ah, attends. Ok. Ah, je peux rien faire de la trappe. Oh là là, mais il dégueule partout celui-là, un hein, képor. Accepter la transmission. Ça craint un peu là. C'est ce que je suis en train de me dire. Ça craint un peu ce bordel. C'est quoi ça? Il y a un bras de mannequin. Ok. Bon, en fait, il n'y avait rien vraiment d'intéressant quoi. L'autre il est passé, il est parti. Oui, heureusement. Après c'est la chose qui est un petit peu casse-couille, tu vois. C'est la chose qui est un petit peu casse-couille, c'est que justement, à cause de ça là, on voit pas très bien. Faudrait zoomer, dézoomer à chaque fois, c'est chiant. 5 de nourriture, d'accord. Donc le cuir, il faut que j'arrête de le prendre. Puisque bah, à chaque fois je m'en fais masse avec, avec ça. Donc le cuir je peux l'éviter.
Alors, du métal. Alors, il me reste 6, 8 places. 8 places, je peux revendre une ponceuse. Je peux revendre une ponceuse. Peut-être bien qu'ils arrêtent de prendre des douches constamment, eux. Ah, c'est déjà ça. Il va arrêter de germer partout parce que putain, qu'est-ce que ça casse les couilles. Par contre, l'eau, elle se fait rare maintenant. Ouvre-moi ça 30 secondes, ça. Ah oui, puis il faut de l'essence pour le camping-car, bâtard. Ouais, ça sera pas mal quand je vais pouvoir faire celui-là. Ça sera déjà ça. Je pourrais en foutre deux, ça va me faire gagner de la place. Ça, je pourrais faire ça. Ça sera pas mal aussi. Ça, je m'en fous un peu. C'est quoi ça? Panneau solaire. Le panneau solaire générera de l'énergie pendant la journée, réduisant la quantité de carburant utilisée par votre générateur. C'est pas mal. Toilette, douche. Grand garde-manger, grande citerne d'eau, grande caisse, excellente cuisinière. Planteuse. Cette planteuse vous permet de faire pousser votre propre nourriture, un incontournable pour les survivalistes. Moi aussi, nécessite des graines. Ça, je pourrais toujours aller les chercher dans les machins là. Concevoir des à partir de plantes récoltées du plantain. Niveau d'intelligence de 10 ou plus. Waouh! Presse à munitions. Matériel de recyclage. Ça, par contre, il va falloir des transistors, des valves, des tuyaux. Et du métal à gogo. Ça, c'est quoi? Grand congélateur. Ce petit congélateur permet de stocker 40 portions de viande. Nécessite de l'électricité. Si le congélateur est sans électricité pendant plus d'un jour, la nourriture qu'il contient sera perdue. Ok. Condensateur d'eau très pratique, ce dispositif recueillera la vapeur d'eau présente dans l'air jusqu'à être rempli. Donc ça, il va falloir le faire. Un piège à fusil de chasse. Le piège à fusil de chasse peut être réalisé. Une mission de fusil de chasse. Un fil à piège pour être armé. À 80% de chance de neutraliser un truc. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc il va falloir voir pour ces objets-là. Par contre. Oh putain, j'ai plus assez de clous. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, mais putain, mais il y en a toujours un de malade hein, là-dedans. Hein. Pas possible ça. Hein. Donc, en fait, si vous voulez éviter que tout le monde soit malade, bah, il faut nettoyer tout le temps l'abri, quoi. Alors en fait, l'ineptie, c'est que il vous faut la combinaison de protection pour ici, mais par contre, quand vous sortez à l'extérieur, vous la prenez pas. C'est ça qui est un petit peu stupide. Ah bon. Ah non, ça c'est moins cool par contre. Ouais, bon. Ouais. Ah, c'est emmerdant.
C'est emmerdant. Parce que ça, je veux bien le prendre. Les fringues, je m'en bats les couilles un peu. Ça ne protège plus du froid, mais peuvent être recyclés pour obtenir un peu de tissu. Mais comme j'ai pas la recycleuse pour le moment, c'est pas trop nécessaire, quoi. Et là, je suis emmerdé. Et là, je suis emmerdé. Donc, il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que je fasse. Je vais négocier avec votre groupe. J'attends votre décision. Oui. Oui. Ça, je veux. Ça, je veux. Ça, c'est quoi? Ça, j'en veux pas. 16. 16. 16. Putain, qu'est-ce que je vais changer pour 16? Wouah! 50. T'es sérieux? Un nounours diminue le stress des enfants. D'accord. Diminue le stress des adultes. Ah ouais, quand même. Ça me fait chier. Ah, j'ai plus de bois. Putain. Et il soude ma gueule, quoi. Sans déconner, il se fout de ma gueule, mais merde quoi. Putain, enfin non, il se fout pas de ma gueule, c'est moi qui suis trop con quoi. Non, sérieux, j'ai tout maintenant, il manque du bois quoi. Oh non. Oh la merde, 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 merde. Je demande où c'est qu'a trouvé tout, il est agréable d'avoir les avis de temps en temps avec ta gueule. Ouais, mais c'est pas cool en fait là. C'est pas cool du tout. Ça me fait vraiment chier. Putain. Bon, toi. Toi, tu vas fabriquer ça, parce que j'ai pas le choix. Toi, tu vas continuer les transmissions. Pour des marchands. En fait, faudrait vraiment que je note ce que je dois garder. Ah, attendez. Est-ce que c'est vraiment la merde? C'est la merdasse. Putain, ils vont encore être malades parce qu'ils vont boire un truc là, que c'est contaminé quoi. Putain. Ça fait chier, bordel de merde. Et je peux même pas envoyer de trucs quoi. Je peux pas, il faudrait que ça arrête la pluie noire là et que ça soit de la pluie normale quoi. C'est galère. C'est vraiment galère. Putain, 22%. Ah, c'est casse-couille, putain.
Et la pluie noire, elle veut pas s'arrêter, quoi. Oh, j'avais pas vu. Nous sommes arrivés au terme. Pardon, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi lâcher un like. Et partager sur les réseaux sociaux. Ça permet à la chaîne de... ça permet d'avoir une petite pub sur la chaîne tout simplement. Allez, je vous dis à tous. Ciao, bye bye. Je vous souhaite toutes les meilleures choses possibles. Ciao.